Eh bien, salut tout le monde, c'est Rupture, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve, premier vlog avec le 500 en supermote. On va se faire un petit déballage, vous allez voir juste après. Cette moto, c'est la folie pure et dure. Peut-être j'arriverai pas à attacher mon casque, c'est pas possible ça. C'est pas possible. C'est comme la voiture, hein. Faut tout le temps attacher son casque avant de partir, mais il n'y a qu'un blaireau comme moi qui oublie tout le temps. Là, mais bon, il est attaché. No worries, be happy. Donc voilà, franchement, une casque d'aide de malade. Un séjour dans le sud de malade avec la balade 100% super motard. On était 35 super motes sur route. C'était juste dingue. Bon, on a eu deux accidents assez violents. Le premier, je l'ai filmé, c'était Hugo, un collègue, qui est tombé. Pas de chance pour lui, c'était le seul en t-shirt. Enfin non, il y en avait deux, mais bon. Bref, et après, il y en a un qui a fait un tout droit dans un virage et ça a mal fini. Il y a les pompiers qui sont arrivés, il y a les gendarmes qui sont arrivés. Du coup, un peu tout le monde qui s'est dispersé après ce crash. Mais voilà, c'était la fin de la journée, du coup, ça allait. Enfin, milieu de l'après-midi, je dirais. Mais en tout cas, cette moto, c'est indescriptible, le plaisir que tu prends avec. C'est dingue, t'as même pas besoin de rouler à 300, t'as pas un R1, tu vois, c'est un super mode. Tu prends tout le vent dans ta gueule, et ça c'est juste énorme. Du coup, t'as pas besoin de rouler vite pour te faire plaisir. Un wheeling à droite à gauche, tu penches comme un taré, et ça c'est dingue, dingue, dingue. 5, 4, 3. Et je m'en lasse pas de cette moto, je m'en lasse pas. Je sais pas ce qu'il faut pour s'en lasser vraiment, hein. C'est compliqué je pense. C'est très compliqué de s'en lasser. Alors qu'est-ce que c'est bien aussi l'injection, ça consomme rien du tout. Un frein moteur de malade sur route, ça c'est vraiment bien. Le 300, j'avais aucun frein moteur. Là tu l'apprécies vraiment mieux. Hein. Tu l'apprécies vraiment vraiment. Et voilà, j'aimerais vous faire part d'un petit cadeau, une petite envoi qu'on vient de me faire. Oh, deux colis surprise. Non, voilà, je voulais pas faire l'unboxing chez moi. J'ai déposé les colis ici, ça sera plus sympa en pleine nature. Donc voilà, deux cadeaux. Je les ai déjà montrés sur Instagram. Ça vient tout droit de chez O-Race. O-Race, O-Race. Attendez, je cache ma plaque. Voilà, j'espère que ça va tenir. Hop, ça va tenir. Donc voilà, deux colis. Donc c'est tout simplement des jantes. Donc il m'a envoyé ça. Donc là on a les stickers. Encore des stickers. On a carrément le t-shirt, il a fait les choses bien. Et c'est des jantes qui ont une grosse particularité, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais l'ouvrir en live. Je les ai déjà ouverts sur Instagram, mais je le rouvre ici. Il m'a dit ce serait vraiment sympa que tu me fasses une vidéo où tu les déballes. J'ai dit quand même mec c'est la moindre des choses. Il n'y a aucun souci. Par contre il avait emballé ça. Franchement il fallait bac plus 5 pour pour tout déballer. Il y avait une tonne de papier pour les abîmer. Il fallait faire très très fort. Donc là on a la jante arrière. Voilà. Alors je vous montre en détail. La grosse particularité. Attendez je vous essuie, on sait jamais des fois que vous avez un moustique. Non, il n'y a pas de moustique, c'est bon. La grosse particularité, c'est qu'il a fait graver rupture à l'intérieur. Donc c'est très très bien fini, c'est très très clean. Donc là, on a rupture de gravé ici. Ici, on a O-Race. Et on doit avoir aussi O-Race de gravé sur le flanc, ici. Et l'opposé, ici aussi. Voilà, donc moyeu orange anodisé, cerclage anodisé, tête de rayon anodisé et rayon argent, c'est ce que je lui ai demandé. Donc il travaille très très bien, c'est très très bien fini je trouve. L'anodisé, il rend bien, c'est ça que je veux dire en fait. C'est que c'est pas un anodisé Wish, AliExpress, tu vois. Tu te rends compte qu'il est, il rend très très bien. Donc avec, bien sûr, on a nos roulements, les joints SPI et les entretoises. Il a tout préparé pour mon 500, donc ça c'est des jantes qui se montent directement sur mon 500. Donc ça c'est l'arrière, je vous montre aussi l'avant.
Voilà. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire encore, si je garde celle-là ou si je garde celle de SM Pro Platinum qui sont juste à côté là. Je pense que ça peut servir par exemple si je fais des compétitions plus tard. Genre t'as deux paires de jantes, c'est le top parce que s'il se met à pleuvoir direct, en 2 secondes tu montes tes pneus pluie. Genre tu mets des pneus pluie sur celle-là, l'autre tu laisses des slicks ou un truc comme ça. Ça peut être intéressant plus tard, tu vois, si je continue vraiment la discipline. Bon, pour le moment, c'est pas mon but de faire de la compétition SM parce que je suis loin de tout, je suis au fin fond de l'Auvergne et ça m'intéresse pas vraiment. Donc avec, on a les entretoises. Il a mis avant et arrière. Il y a tout canodisé. C'est vraiment, ça part très très loin le détail. Même les entretoises sont anodisées. Et donc là, pareil, l'avant. Rupture, gravé à l'intérieur. C'est vraiment gravé, hein. C'est pas, tu sens vraiment que c'est du gravage. Oreilles ici, pareil sur le flanc. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi je vous mets le lien en description. Il y a tout qui est en description, son site, son Instagram. Si vous pouvez lui poser des commentaires, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez commander, je recommande, je recommande. C'est rapide en délai. Niveau qualité, on est plutôt top. On est sur quelque chose qui est rapport qualité-prix très correct, je dirais. Surtout ça qu'il faut regarder maintenant, le prix quoi, parce que il y en a, ils alignent. C'est pas des Alpina, c'est pas des Excel, mais c'est de la qualité quand même. On est là, on est sur quelque chose de correct, je trouve. Il n'y a pas de souci. Après, je sais pas ce que ça vaut, je les ai pas essayés. Je vous dirai ça quand je vais les essayer, de toute façon. Je vous dirai ça, je vous dirai ça. Il m'a demandé ce que je voulais, du coup, c'est moi qui ai fait. Qui est tout fait de A à Z. Si vous voulez des jantes, vous lui demandez. Moi, je lui ai dit vraiment tout ce que je voulais. Je pouvais même mettre les rayons en noir, mais je préfère en argent. Je trouve que ça rend bien en argent aussi. Ça rend très très bien en argent même. Voilà. Il manque juste un fond de jante. Bon, ça c'est basique. Vous mettez du gros scotch américain comme des barbares autour là, et c'est stylé. Ça suffit largement. Du gros scotch américain pour faire le fond de jante, ça bouge plus jamais. Enfin voilà, on va les rouler maintenant. C'était le petit unboxing en plein milieu de nature. Pourquoi pas, pourquoi pas. Merci à lui. N'hésitez pas à aller check son site. La description est votre ami. Moi je vais remballer ça. J'avais pas envie de faire un unboxing dans mon garage. On va pas laisser de papier, j'ai pas envie de polluer. Respectons la nature tous ensemble. Hop. Très bien emballé. Merci à lui. Merci à lui. Oh putain, c'est dégueulasse. Hop. Je vais mettre le t-shirt là-dedans aussi. Et les stickers. Donc il vient d'ouvrir son entreprise, je dirais. Ça fait pas longtemps qu'il fait ça. C'est pas longtemps qu'il fait ça. Je pense même qu'avec l'option gravage, il y a moyen qu'il vous le fasse. Vous lui dites ce que vous voulez graver dedans. Après, il vous le comptera forcément en supplément, quoi, mais je pense qu'il y a moyen que ça passe. Vous lui demandez, hein. C'est stylé de graver ces jantes, quoi. Elles sont personnalisées à ton effigie, comme un kit déco, quoi. Graver, c'est pas des stickers, quoi. Ça reste dans le temps, moi. T'es sûr du produit. Voilà, on va continuer à les rouler et gaz. Bah, maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller rouler un peu, de vous faire écouter ce petit FMF, ce qu'il vaut. Pour les gendarmes, je ne floute pas le compteur parce qu'il n'est pas aux bonnes dimensions, voilà, tout simplement. C'est pas les vrais kilomètres-heure qui s'affichent, c'est ceux d'enduro. À ce qui paraît, c'est la canicule. Mais alors, quand tu roules un peu, la canicule, tu la sens plus du tout au final, hein.
Allez, un petit tour vite fait dans les rues de La Chaise-Dieu, mes amis. Patrimoine classé l'UNESCO depuis 1947. Nous voici bel et bien à La Chaise-Dieu. Retrouvez Rupture, le thug, dans 90 minutes d'enquête. Âgé de 21 ans, Rupture, ayant son permis moto, une assurance, une carte grise et une moto homologuée, est quand même considéré comme un thug life. Celui-ci fait des roues arrière et c'est très mal vu pour les gens de ce village. Comment Rupture fera donc pour surmonter cette épreuve et sa réputation? Vous le saurez après la pub. Ah, je pars trop loin, je sais pas, je m'emmerde des fois, du coup je dis de la merde. Ça c'est bon, on adore. C'est pas moi, j'ai pas fait exprès. Elle est trop puissante, à peine t'accélère, excusez-moi. Je ne veux pas aller en prison pour rendez aux urbains ou je ne sais quoi. Non, c'est pas mon jour. Oh putain, il y avait la gendarmerie. Oh là 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 là. Je parle de prison, nous voilà donc face à l'animal susnommé, qu'est la gendarmerie. T'inquiète mec, je gère. Le mec il a dû tellement avoir peur. J'arrive pleine balle dans son dos. Oh putain, il y a des gravillons, j'ai pas osé pencher du coup. Je voulais faire un truc, j'ai pas osé. J'adore faire ça. Tu vois là, je me suis bien défoulé. 5, 4. Bien, je peux me faire plaisir. Tout simplement. Bah vite. Pas encore, on peut le faire. Bah vite. Le mec il chauffe tout seul, j'adore. Pas de taffer hein. Y'a personne, on m'a mangé personne, c'est parfait. C'est chaud d'attendre que ça frotte, hein. Enfin, là, j'ai l'impression que ça va frotter, mais je pense qu'on est à peine loin encore. Hein. Allez, une dernière. Bah vête, Rupture, tu peux le faire. Même pas, c'est chaud. Toujours pas, hein. Y'a personne.
Bon, on est chaud, ça fait plaisir. Du gros progrès en wheeling, je suis super content. Le frein, on l'a, il n'y a plus à dire. On l'a, tout simplement. Sur ce, les gars, je vous laisse. À très vite pour de nouvelles aventures en SM. L'enduro, c'est pas fini. J'ai vu un message d'enduriste qui me disait c'est très dommage que tu fasses plus d'enduro. T'inquiète, ça va continuer l'enduro, je suis pas prêt d'arrêter. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Poste ton avis en commentaire, n'hésite pas à aller faire un tour pour les gens. Ciao, ciao, je vous kiffe, vous êtes plus qu'une famille pour moi. Je vous aime, bye.